Donc là, on va partir. Donc l'escalier. Donc l'escalier, qu'est-ce que c'est? L'escalier, en fait, tu vois, c'est un escalier que tu descends sans fin. Mais en fait, il est pas vraiment sans fin. Tu vois, tu te refais TP. Genre, et moi, j'attends dans l'escalier. Et dès qu'il y a quelqu'un qui monte, faut que je lui fasse peur, en fait. Attends, c'est quoi mes attaques que j'ai avec mon SCP là? Ah, je peux faire des dégâts. Ouais, ça. Si ça, c'est pas un gros screamer que tu te prends dans la gorge, gros. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, on va voir des gens crier. Hein. En vrai, là, ça va crier sa race. Là, Vous êtes qui, Michel? Bonjour. ils rigolent. Hein. Ils rigolent. Mais j'en connais qui vont flipper leur. L'escalier. Du coup, vous allez descendre au plus profond de cet escalier. Donc, vous n'allez pas vous défendre, vous allez venir les étages. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, ainsi de suite. Bien. Cet escalier est un escalier qui est le plus normal. Attends. J'ai un truc de douche. Bien, vous me dites l'étage, Ah vous dites la ouais! hauteur, moins 1, moins 2, moins 3, tout ça. Mais non, pas Il y a besoin de quelque crier. chose dans le camion là. Oui! Wesh! On a perdu le camion, il s'est cassé la gueule. Il s'est cassé la gueule en tombant, On a c'est tout, perdu parce le qu'il est camion. pas doué. T'as mis 91, va voir. Viens, on Oh, va. un mec qui casse la gueule avec Il un s'est juste couteau. cassé la En plus, il y a des trucs gueule! de couteau, je sais pas quoi là-dedans. Je reste, t'inquiète. Je trouve nos avant, je sais pas trouver. Je vais trouver. Oh putain! Ouais, c'est trop fun ce CP, gros. Eh, hey, je le suis mis devant lui, il m'a pas vu, gros. J'entends des bruits chauds. Monsieur Tupé là, Mec, il t'a là jamais. C'est normal que je viens de descendre une trentaine de marches et que je suis re en haut alors que j'étais en bas. C'est qu'une illusion d'optique, vous êtes toujours au même endroit. Ah bah quand même. J'ai recroisé la caméra trois fois, c'est normal? Mais non, mais vous l'avez recroisé trois Parce fois, qu'il y a c'est une des... illusion d'optique, enfin, regardez. Oh, t'as plus de caméra. Bonjour. Parce que tous les étages sont Il y a les mêmes. quelqu'un là. Il y a Je quelqu'un là! Mais non, il y a me sens pas bien dans cet personne. escalier là, Et toi? remontez. Je suis bloqué là. Bon, allez, vous remontez vite, classe D maintenant. Tentez de 3, remonter, moins classe D. 4. Dégagez. Allez, assistant. Allez, classe D, tentez de remonter. Vite, 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 Classe vite, vite, D. vite, 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 vite. Classe D! De remonter, allez, courez, courez, classe D, remontez, 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 Attendez, remontez! je vais aller le Le plus chercher. possible, Sergent, Non, non, vous sergent, vous restez là. restez Sergent, vous là. restez là. 11, moins 4, moins 14. S'il meurt, c'est pas grave. Ah. J'ai vu qu'il survit, mais Non, mais la porte ferme. 91, remontez. Remontez. Fermez les portes. il veut pas sortir. Je me mets chercheur expérimenté, là je vais vous montrer c'est quoi être un bon chercheur. Enfin, il saute Gros dans tous pédé de les merde. sens, je ne comprends plus. C'est eux, Et en vous plus, pétez il un insulte son fou, supérieur. vous vous détendez, d'accord? C'est parce que vous êtes Personne n'a jamais vu superviseur, je ça mets de une leur vivant. patate et je prends votre place. Hein. Au bout d'un moment, faut arrêter, hein. On va arrêter de prendre les gens pour des cons. Mais moi, oh, vous mettez une patate, vous mettez une Wow! patate, vas-y. Vas-y! Monsieur, Bah monsieur, moi, je monsieur, m'occupe pas vous de tes êtes bloqué. problèmes. Ok! Garde, garde, Là, mais au bout d'un moment, faut agir. Ah, Mais t'as chassez besoin le des gardes, chassez gros le pédé chauffez de le merde, chauffez hein! le chauffez vous bougez pas. m'amener vers le camion. Ah, viens là, toi! Viens, je vais te casser les dents! Sale Arrêtez, patte! bonne tu... Bonne Vous allez me tueuse! tuer, je suis expérimenté! Attention! Arrêtez, 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 arrêtez. Je suis On va expérimenté. prendre... Aidez-moi! Merci, garde. C'est. mettre en prison, mais on va quand même le Bonjour! tenir. Et voilà! Monsieur Superviseur, je m'excuse, retirez-moi C'est ces maintenant menottes. Je m'excuse. C'est eux, je vais vous amener. C'est eux, je vais vous emmener quelque part, je vais vous poser 2-3 petites questions. Très bien, allons-y. Allez Là, là, garde, on va poser des questions, allez, dépêche-toi. Hein. Vous allez être instable mentalement, CE. Tu vas voir ce qui va être instable quand je vais te mettre un coup de pied dans les rotules, gros. Sale gros pédé de merde. Ah, vous êtes sûr, CE, vous êtes sûr. Continuez à m'insulter des pédés de merde. Continuez à m'insulter des pédés de merde et vous allez manger 3 rafales. Ainsi de 3 balles dans le dos. Ah ouais? Ça me fait pas peur. Monsieur, Parce que qui peut me stopper? Renier mon identité. Vous pouvez me soigner, docteur? Parce que là, j'ai vraiment vécu des choses horribles là. On m'a tabassé, monsieur, alors que je n'ai rien fait, monsieur. Un monstre! Un monstre! Je n'ai rien fait, je me suis fait tabasser. Donnez-moi toutes ces Non, mais le CE a tenté de m'agresser physiquement. Il est venu m'insulter de gros pédés de merde. Il m'a mis un coup de taser, je me suis vengé ensuite. Il a failli mourir, donc le docteur a soigné, ce qui est normal pour le travail d'un docteur.
Donc je suis venu l'interroger ici pour savoir comment il est mentalement. Cette personne est venue devant moi, il a dit t'es qu'un chercheur expérimenté de merde. Alors moi j'ai dit c'est toi le superviseur. Et là il y a le CE qui arrive et qui me regarde et qui me chuchote des insultes à voix basse. Moi ? Alors ça, incroyable ! Oh ! Incroyable ! Je sors mon taser, je dis CE vous vous calmez, vous allez manger un coup de taser comme ça. Et là CE il sort le sien et il m'a coup de taser. Donc du coup moi ce que je fais c'est que je vais... Alors ça... Là je me relève, ouais, c'est normal. Du coup, je prends un coup de taser au CE. Merci monsieur. Le docteur fait son travail. Une sacrée. Alors. Avec le CE parce que moi j'étais pas bien. Une sacrée aventure. Moi j'ai rien fait moi. Je l'ai emmené ici pour lui poser des questions pour savoir s'il est instable mentalement. Voilà. Il est venu avec ses copains, ils sont venus me tabasser à 4. J'étais tout seul dans les vestiaires. Il n'y avait pas de témoin. Salaud ! Et vas-y, c'est moi qui prends tout juste parce que c'est un superviseur. Dans ma ZGZV1. Merde, la vitre est laissez-moi partir. Aidez-moi. Non. Ah, monsieur administrateur du site, ça tombe bien, j'allais vous voir. J'ai des réclamations à faire, monsieur le superviseur, il me traite comme un chien. Justement, je viens vous voir. Tu rentres à l'intérieur et on discute. On va en discuter, monsieur administrateur. Docteur Lenoir. On va discuter. On discute. Tu vas t'asseoir, le CE. Je peux pas m'asseoir. Merci de sortir, messieurs, à part le GE. Et garde à ta chute. C'est bon, merci. Veuillez partir, s'il vous plaît. Merci de tout, sortir à part l'IA et le GE. Je vais vous expliquer l'histoire, ADF. Je reviens tranquillement d'une expérience sur 087 quand le CE arrive et commence à chuchoter à voix basse. À ce moment-là, j'entends qu'un AIT me dit « Le CE est en train de vous proférer des insultes ». Même au superviseur. Donc là je sors mon taser, je lui fais CE, vous allez vous calmer, d'accord, je suis votre supérieur. Et lui il me regarde, il sort son taser et il m'a un coup de taser. Donc ce qui est logique, je me m'a convulsé comme... Attendez, je vais voir ce que je vais dire. Vous allez voir ce que je vais dire. Je me relève, je pars le voir, je lui remets un coup de taser, je me venge, vous voyez, tranquillement, lui il met un coup de taser en même temps, donc... Ça te tasse. Le docteur arrive, nous soigne, et du coup, le garde l'a menotté, et du coup, on est en train de l'interroger ici pour savoir s'il est instable mentalement. Monsieur, est-ce que je peux faire ma version des faits maintenant? Que notre cher superviseur. Superviseur, s'il vous plaît, c'est vous, j'aimerais bien l'entendre, merci. Oui, laissez-moi parler sans me couper la parole, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, je venais de prendre mon service. Pas trop, sinon c'est un mal, ça bien sûr, monsieur. Donc, vous voyez, je venais de prendre mon service, donc je me suis dit pourquoi pas aller chercher des classes D. Arrêtez de me couper la parole. Donc, j'ai été donc chercher des classes D, normal. Et genre, tu vois, il y a le superviseur, il revient de l'expérience, c'est Réo 87. Et genre, il arrive, il met un petit coup d'épaule comme ça. Il me dit, ouais, vas-y, dégage là. Et je dis, oh, excusez-moi, monsieur le superviseur. Mais laissez-moi finir ma phrase. Non, mais c'est qui? Attendez, c'est... Je devais finir ça, mais... On n'est pas amis. Tu me tutoies pas, tu me vouvoies. Très bien, monsieur. L'administrateur, c'est eux. Quelle est cette conversation? Donc, en fait, je reprends l'explication. Donc, il y a le superviseur, il arrive, il me met un petit coup d'épaule, il me dit vas-y, dégage, sale CE de merde. Et je lui dis excusez-moi, monsieur le superviseur, c'est vrai que vous êtes au-dessus de moi dans la hiérarchie. Et là, il arrive, il me dit ouais, vas-y, dégage, il me sort son taser. Donc, je lui dis ok, vas-y, arrête, s'il te plaît. Et il commence à venir vers moi pour me taser. Donc, moi, réflexe naturel, self-défense, j'ai mis un coup de taser dans le terrain comme ça. Et là, il y a tous les gardes et tout. En fait, ils ont juste vu ça quand j'ai mis le coup de taser, alors que j'étais pas dans cette histoire vraiment le seul fautif. Donc, j'ai commencé à courir et il a continué à me suivre, le superviseur. Et il m'a remis un coup de taser, on m'a menotté. Et on m'a fait des guillis dans cette salle, monsieur. Alors autant vous dire, voilà. Waouh, moi je suis là depuis le début. Hein. Ça m'a déguisé. Superviseur, vous êtes en train. J'ai deux versions des faits. C'est pas drôle. Le superviseur qui me dit non, mais lâchez ce truc, c'est bon. On a compris, vous voulez tenir, vous voulez laisser par votre chien. Bah, un peu quand même, ça. Salope. Pardon. Mais monsieur, vous êtes garde, je suis quand même chercheur expérimenté. Aidez-moi. J'ai rien fait, je me mets assis là. Merci. Voilà, bah. C'est bien mon petit. Bon, du coup. J'ai d'un côté le superviseur, Diogo, qui a eu beaucoup de plaintes de sa part. C'est vraiment un sacré enculé. Ouais, c'est un gros con.
Il faut me tirer dessus. Je signale que c'est mon frère. Tu vois, alors je te signale, c'est eux que l'IA est en direct avec l'O5. Si tu dis un truc qui te déplaît à l'O5, c'est fini pour ta gueule, agent mimétique activé. O5, c'est pas un groupe boys band des années 2000? Je sais pas. Excusez-moi. Pardon? Bah l'O5, c'est pas Ozone là, qu'on chantait Imaya hi, Imaya ho, Imaya ha, Imaya ha. Vous chantez très bien, c'est vous, vous savez. Putain, je vais te niquer ta. Vous connaissez pas Ozone? Arrête! Non! Putain, 900 likes! Bravo à tous! Maya, ha ha! Envoyé. Oh là là. Bon, du coup, L'RR07. Il y a le O5 qui va dire, je sais pas c'est qui l'O5, mais ça va partir en couille. Ferme ta gueule. Merci. Donc, ouais, donc le groupe de musique. J'ai le. Putain, tu vas me garder mon plaisir là. Ah bah, c'est rigolo cette histoire, hein. Je crois que c'est rigolo. Les menaces.